les amis Lyon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de décembre 2021. On va aller chercher justement les messages qu'on a envie de vous transmettre pour cette fin d'année. On va commencer avec l'oracle d'Amaham et on va voir ce qu'on a à vous dire. Alors, j'ai décidé de faire comment dire, des tirages assez courts pour cette fin d'année. Donc voilà, ça va être assez court, mais rien n'empêche d'avoir des messages. Alors là, je vais vous tirer quatre cartes. La troisième et enfin, hop, la quatrième. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a à vous transmettre pour ce mois de décembre, les lions? On nous parle de consolation méritée. Alors, pour vous, les lions, eh ben, vous avez mérité d'être consolés. Peut-être que certains d'entre vous ont eu une année assez compliquée ou qui sont encore dans des situations compliquées et vous avez vraiment besoin d'être consolés. Vous avez mérité cette consolation. Alors, cette carte, elle vous indique aussi qu'il est temps pour vous, pour certains lions, de purifier justement toutes vos pensées négatives et ainsi sortir de votre enfermement, vraiment de chasser tout ça, de purifier tout ça pour que vous puissiez enfin mettre de la lumière sur ce qui a pu être désagréable jusqu'à aujourd'hui. Elle vous indique aussi qu'il faut faire attention de ne pas trop vous positionner dans des schémas négatifs parce que cela vous épuise. Alors que là, vraiment, on vous invite vraiment comment dire, de résister du fait de vous laisser aspirer par ces énergies pour pouvoir, voilà, avancer. Hein, c'est vraiment ce sur quoi on a envie de vous emmener aujourd'hui. C'est-à-dire de purifier vraiment tout ce qui est, comment dire, négatif, ce qui est polluant, etc. Là, c'est ça. Donc, pour cette fin d'année, on vous demande de vous positionner face à tout ça pour que vous puissiez prendre un nouvel élan, comment dire, une nouvelle respiration. Hein. C'est vraiment ce que je ressens. La deuxième carte, bah regardez, il va falloir faire ce travail-là pour que vous puissiez y mettre fin, pour annoncer le nouveau, le commencement, le renouveau, ne plus tourner en rond, de rester dans cette spirale infernale. Là, on passe vraiment d'une carte sombre à une carte vraiment beaucoup plus lumineuse et beaucoup plus. Puis la couleur verte, voilà, c'est la carte de la guérison. Je pense que vous êtes dans cette dynamique-là pour certains lions. Hein. On nous parle d'abondance. Donc je pense que vous vous bloquez tout seul, les lions, dans cette recherche de, comment dire, infinie, si on peut dire, de toujours essayer de comprendre du pourquoi, du comment. Certaines choses n'ont pas besoin d'avoir une certaine compréhension. Il suffit juste d'être dans l'accueil et d'en ressortir que la lumière pour y mettre fin, vous voyez, pour laisser place à du renouveau. On se dégage, on se déleste pour accueillir de nouveau. On fait de la place pour pouvoir mieux commencer. Et ça vous apporte de l'abondance. Ça vous apporte une certaine abondance parce que vous allez laisser de la place pour accueillir du nouveau et des choses qui seront beaucoup plus nourrissantes, hein, pour cette fin d'année, les lions. Et on vous dit de lâcher prise. Lâchez-vous la grappe. Trop, trop de questionnements, trop de demandes de pourquoi, du comment ne vous fait pas avancer. Et là, c'est ce qu'on vous dit pour ce mois de décembre, pour cette fin d'année, de lâcher certaines choses, de lâcher certaines personnes, d'avancer. Parce qu'il le faut. Parce qu'il le faut. Alors, il y a vraiment, il y a beaucoup de chiffres 1, hein, le 28 et le 46, quand on additionne, ça fait 10, ça fait 1. Il y a quand même le renouveau qui est là. Il y a le renouveau et l'abondance, ça serait aussi de se rendre compte aussi du fait pour cette fin d'année de faire une certaine introspection. Parce que ça va vous permettre justement
d'enfin rentrer dans cette consolation méritée pour pouvoir en terminer. Hein, c'est vraiment ce qu'on vous dit pour ce mois de décembre. Alors, je vais vous tirer deux cartes de l'oracle des licornes magiques. La première carte, oh, elle revient pratiquement dans tous les jeux. L'amour apaise la peur. Le pouvoir de votre amour peut apaiser la peur des gens agressifs et en colère. Mettez de l'amour dans tout ce que vous avez pu vivre jusqu'à aujourd'hui. L'amour apaise, l'amour éclaire, illumine, vous montre le chemin. Elle est, comment dire, l'amour, il est, comment dire, il est d'une grande aide pour pouvoir clarifier certaines choses. Donc là, on vous dit, mets de l'amour parce que ça va apaiser tes peurs, tes craintes, etc. Agréable surprise, nous dit la deuxième carte. Quelque chose de très agréable va bientôt arriver. On nous parle d'abondance. On nous parle d'abondance. À partir du moment où on lâche, on fait de la place, on se sépare de choses qui n'ont plus la même fréquence, qui n'ont plus la même résonance, on laisse de la place pour accueillir vraiment des choses qui sont en reliance, qui ont une, comment dire, une justesse pour ce que l'on doit vivre sur le moment présent. Alors, je vais vous tirer une carte de la sagesse divine. Ok. Ça va être celle-ci. Voyez le monde à travers les yeux d'un enfant. Eh bien, c'est ça. L'enfant, il se lâche la grappe. J'allais dire, il se lâche la prise. Il se lâche la grappe. Il ne cherche pas à comprendre. Eh bien, c'est ça. C'est ça, vivez les choses à travers les yeux d'un enfant, ben c'est exactement ça. Laissez l'amour vous envahir, et puis en plus, vous voyez là, sur la carte, on a quand même un enfant hein, qui est surpris de ce qui peut, de ce qui peut venir à lui. Et ben c'est exactement ça. Il ne cherche pas à comprendre, il accueille sans se poser de questions. Ben là, c'est ce qu'on vous demande, les lions, pour ce mois de décembre. Pour terminer, je vais vous tirer une carte. À travers cet oracle pour avoir un message d'un de vos défunts. Donc je vous laisse le temps de penser à un de vos défunts. Et on va voir ce qu'il a à vous dire à travers cet oracle pour Noël. Un petit cadeau de Noël de leur part. Je veille sur toi, bien que je sois absent de ton monde physique. Je veux te dire que je suis souvent auprès de toi et que je veille sur ton âme. Il peut t'arriver de sentir ma présence près de toi, au-dessus de ton épaule ou dans ton dos. Je suis là. C'est magnifique. Très, très beau message de fin. Donc, pour ce Noël, voilà les lions. J'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire et je vous en remercie grandement. Je vous souhaite un joyeux Noël. Je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Et d'ici là, prenez soin de vous.